Et c'est quoi cette tête? Ta terre, elle se chamane, toi. Oh, qu'est-ce que mon amour? Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier Vlogmas. Eh oui. Alors du coup, je sais qu'on appelle les Vlogmas, mais du coup, sur le mois de décembre, je vais essayer de vous filmer comme j'avais fait, en fait, tout simplement, les vacances de la Toussaint. C'est les périodes où je vlog un petit peu plus facilement. Qu'est-ce que tu fais? T'as faim, toi? C'est ça? Il est en train de chercher? Non, bon, on va écouter. Moi j'avais pensé, parce qu'il faudrait quand même manger un petit peu. Hein. Oui, ça te fait marrer. Hein. Ah, c'est quoi cette tête? J'ai mis un peu trop gros à la cuillère, faut pas abuser. Ah. Oh. Bon, on a mangé, j'ai mis Abigail à la sieste. Vous entendez, c'est Eden qui joue. Je vais vous montrer, j'ai passé une commande de ça. Alors ça va me changer ce que je vous ai pas raconté vous sur YouTube. Mais quand on a fait le sapin de Noël, en fait, on avait stocké la déco de Noël dans nos cabanons en dehors, donc protégé de l'humidité, ça c'était pas un souci. Le dinosaure a fait caca. Et en fait, quand on a tout installé, et ben en fait, il y avait plein d'araignées, mais des araignées où le corps était gros comme mon pouce, là, le bout de mon pouce. Et ça m'a fait vriller. Parce que clairement, les faucheuses, j'ai pas peur du tout, voilà, de ces araignées-là classiques d'intérieur. Une grosse comme ça, à dire, je la vois sur un mur. Bon, je vais la faire sortir, je vais pas l'écraser, je vais pas kiffer, je vais la burk, je vais l'enlever, mettre dehors. Mais là, clairement, tu prenais dans ton carton ta boule de Noël, tu la retournais et là, tu la voyais dessus. Mais on en a eu des dizaines comme ça pendant tout le long, on installait le sapin, on mettait nous, c'est un faux sapin qu'on garde tous les ans. Donc, on mettait les bases. On écartait les branches et quand tu mets les bases et que t'écartes les branches, t'avais des araignées qui tombaient au sol. J'ai fini par laisser Anthony ouvrir tout le sapin parce que moi ça s'est mis à m'angoisser. J'ai pas peur des araignées de base, mais alors celle-ci, enfin voilà, ça mord. J'ai pas du tout envie de m'en retrouver une sur les mains comme ça et être surprise en fait, ne pas la voir venir quoi. Et du coup, j'ai moins pris plaisir cette année à faire mon sapin que les autres années où du coup je vidais mon carton dehors, j'étalais toutes les boules pour voir s'il n'y en avait pas. C'était très fun. Voilà. Donc du coup, j'ai acheté ça en me disant, voilà, c'est hermétique. Pas comme les cartons, ou voilà, où un peu arriver à se faufiler. Hein. Et la chose qu'on va réfléchir, c'est comment on va protéger le sapin pour les prochaines années. Parce que moi, sinon, clairement, je mets plus de sapin dans la maison. Hein. Voilà, franchement, en ce moment-là, quand je vous partage en story, il y en a qui me disent, pourquoi t'as pas tout brûlé? Je me suis tâtée à jeter ma déco Noël à ce moment-là, tellement ça m'a angoissée. Mais je me suis dit, non, c'est pas possible. On va y arriver. Donc voilà, du coup, ça va servir, c'est vraiment des grandes boîtes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai vraiment pris une très grande taille pour les décos de Noël. Je pense que ça va en prendre bien deux boîtes. J'en ai acheté une, deux, trois, quatre, cinq, six boîtes. L'idée, ça va être aussi de pouvoir stocker d'autres choses dedans, comme par exemple tout ce qui est l'été, tout ce qui est maillot de bain, serviette de plage, clairement, on s'en sert plus. Et je trouve que c'est quelque chose qui tient la place du volume, les bouées aussi qu'on dégonfle, qui sont en plastique. Et donc l'idée ça va être de pouvoir en stocker dedans et pouvoir les aussi mettre aussi dans nos cabanons. En train de faire du tri là dans... Et on a retrouvé ce parapluie, j'ai retrouvé mes bottines que j'aimais trop d'amour. Je savais même plus que je les avais oubliées tellement depuis le temps. Là c'est des... En fait c'est que je suis en train de trier là. En fait on avait stocké là-haut des trucs, Anto m'a tout descendu. J'avais pas pris le temps de trier encore, il était là, il squattait la pièce là où je vous dis, là ici on est encore en plein dans les travaux. Après tout le sol sera comme ça en fait ici, c'est un sol spécial qu'on a acheté. En fait, qui craint ni l'eau, qui est vachement résistant au niveau des coups, donc du coup, ça nous permet d'unifier tout le reste. Donc là, je viens de trier un peu la chaufferie qui doit être encore. Celle-ci, à part miser une porte, il faut qu'on mette un bout de placo là-bas. Ici, après, ça sera, je vous avais dit, la vianderie aussi, il y aura machine à laver. Et je pense investir dans un sèche-linge. Je voulais regarder avec le Black Friday, mais en fait, je vais peut-être en prendre un sur Black Market.
J'ai envie d'en prendre un de seconde main, mais quand c'est électroménager, je préfère quand ils sont vérifiés. Donc du coup, je vais regarder sur Black Market pour un sèche-linge. Et puis il faudra peut-être que je change aussi la machine à laver parce que c'est une 5 kg qu'on a depuis qu'on vit ensemble avec Anthony, donc ça fait 7 ans. Elle marche encore bien mais elle se déplace en fait, je l'ai beaucoup trop remplie pendant un certain moment. Donc je me dis pour le moment je la garde au max, tant qu'elle tient, qu'elle me lave bien, etc. Voilà. Et après je la changerai, j'arrive à tourner largement même avec 5, c'est vrai que j'ai hésité à passer à une 9 kg en étant 5 à la maison. Mais pour le moment ça passe, donc voilà, il y aura ça là. On va pas changer le sol là, il faut juste que je lui mette un bon coup de nettoyage parce qu'Anto m'a déplacé des sacs et du coup ça m'en a foutu partout. Et voilà, donc du coup je fais du tri un petit peu pour qu'on gagne de la place toujours, voilà, parce que on a besoin tout le temps de faire le tri. Voilà, par exemple si on a des plaques de placo, bon il va pas les déplacer mais qui vont servir ici pour qu'il puisse finir de tout plaquer ici proprement comme il faut, comme il a fait là. Donc comme ça après on va pouvoir tout jointer, peindre et cette partie de la maison sera finie. Mais bon, c'est pas encore tout de suite. Donc je trie et du coup j'ai retrouvé des choses. Ça c'était un carton, en fait j'ai mis de côté avec des chaussures d'hiver. Donc les chaussures en font beaucoup trop petites, je les jette, les chaussures je ne fais pas don parce qu'en fait pour moi c'est pas possible, on peut pas passer des chaussures, les enfants ça fait leur, ça s'adapte à leurs pieds et après ça leur va plus. Il faut que je retrouve des petites converses comme ça, des petits Vans pour Lily comme ça. J'ai regardé sur leur site s'ils en ont et en reprendre aussi pour Eden. Tiens Loulou, je te le mets où ton verre? Tu le prends avec toi? Tu te couches? Fais le bisou le câlin. Ouais, allez, couche-toi comme il faut. Mon petit cœur. Bonne nuit. Après une douche. Hop, à toi. Tu te mets sous la couette, ma chérie. T'es toute jolie. T'es toute jolie, mais oui, ma chérie. Tu es jolie, tu es gentille. Non, tu me donnes Mini. Mini, elle va faire dodo dans mes jouets, mon cœur. Hop, on va la mettre là. Hop là. Maman, je veux de l'eau. Tu veux de l'eau? Il est où ton verre, ma chérie? Tu sais où il est? Tu l'as caché dans ton lit ou pas? Je le vois pas ton verre, mon cœur. On l'a mis où? Dis donc, madame, je fais du bruit. Pose le cadeau de papy. Donne-le-moi. S'il te plaît. Merci. Ouais. T'as entendu, jeune fille? Allez, comme ça, je te donne ton petit verre. Je te le mets là. C'est qui la chippie? Fais attention quand tu te couches, tu vas te faire mal. Ok, là, je vais en faire les tout. Ah, le fromage. Je vais pas couper mon beurre avec le couteau de fromage pour elle. Bon, c'est bon. Okay. 20h30, les enfants sont au lit. Et nous, on mange. Du coup, on les a fait manger. En fait, on a pas vu leur fromage. J'ai cru que t'étais en train de filer. J'ai dit, mais tu me parles de quoi? Je suis perdue, je cherche un couteau, je m'en vais. Excuse-moi, mon cœur. Et du coup, on s'est chaud à manger, on finit là les restes de pâtes de ce midi. Anthony, il mange avec des œufs par-dessus, ce qu'on a testé. Je suis pas pour envie de manger la même chose, je mange des pâtes avec le beurre. C'est mon kiff. On adore ça, lui. Et moi, j'aime bien un petit peu de beurre, je suis trop manque de malice. C'est mon kiff, et à cause de Fulfresh Te Best, le chef cuisinier, là. Ouais. Donc ça c'est un truc que je fais depuis un petit moment quand même. Les enfants mangent bien, je suis bien. Et j'ai vu lui une vidéo qu'il a fait sur Facebook où pareil il dit que c'était son plat préféré, des pâtes avec des œufs plats dessus, sauf que lui rajoute du fromage. Tu savais pas que le fromage fait acheter. Et moi je mettais pas, donc maintenant ben, je veux du fromage, effectivement c'est mieux. Donc là j'ai... Le fromage là c'est du parmesan. Donc, j'ai dit, ce soir c'est Titanic! Oui! Grand bonheur, chouchou! Non, c'est pas grave, je vais me coucher tôt. Je me suis couché tôt hier, je vais me coucher tôt ce soir, c'est bien. Ça, ça va te faire du bien, mais il faudrait que j'arrive à faire pareil. Tu fais comme moi. Tu vois, Titanic, je suis trop en direct de le voir, donc je vais me coucher tôt. Ah si, moi j'ai envie, j'ai vu, c'est sur Instagram qu'il y en a qui partaient, c'est ce soir la Titanic, moi qui regarde, je regarde jamais la télé, franchement la télé, c'est oui, bah merci à ceux qui l'ont dit. Hein. Et elle sert à la plaie d'Anto. Point. Et si on regarde un peu notre série pendant longtemps, là, on se regarde la fenêtre. Non, mais sinon, Titanic, je ne voyais jamais regarder la télé classique déjà, mais ça fait des années. Les infos, je regarde Hugo Décrypte sur Instagram ou sur YouTube. Point. Voilà. Je m'arrête là, le reste, ça ne me manque pas. Titanic, c'est 3 heures, quoi. Tu sais que t'es pas au lit avant minuit, avant non. Si on regarde, c'est sûr. Ah ouais, bah, je finirai peut-être pas, parce que de toute façon, une fois qu'Abby va travailler pour cet été, je vais aller me coucher. En moi, plus, je Titanic.
l'éternel débat s'il y avait de la place sur la planche ou pas. L'autre grosse cruche qui a pas voulu l'avoir, le mettre avec lui. Enfin voilà, du coup, on va terminer ce premier vlogmas là-dessus. Et puis, ben, on se dit à demain pour la suite. Bisous. Ciao. Mm-hmm.